100 mètres au rond-point. Regardez la familia. Gauche, il neige, mais à fond. À fond, à fond, à fond. Il neige en retard en fait. Au normalement, il neige en décembre. Mais là, il neige en février. Est-ce que sur ce temps-là, enfin pendant ce temps-là, est-ce que vous êtes chaud pour aller au stade? Dites-moi oui ou non dans les commentaires. Moi, personnellement, non. Toi, t'es pas chaud. C'est pourquoi l'année dernière, on l'avait fait avec Nassim. Ah ouais, je me rappelle, c'était impossible de jouer avec tes pieds. On avait les pieds congelés. Tes pieds, ils font mal, tes mains, ils font mal. Donc, dites-nous dans les commentaires si vous êtes chaud, vous, pour aller jouer au stade sur ce temps-là. Non, en tout cas, moi, je pense que je serais chaud. S'il y aurait vraiment des. Genre un match à faire, etc., etc., je serais chaud de ouf. Bon, on se retrouve au magasin. Yo, la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog avec Yacine. Salut. Donc, la famille, aujourd'hui, on va acheter du matériel pour la chaîne. C'est parti. Donc, là, on a Aéroville. JD à gauche. On va se diriger vers où? Pas, toi, t'es venu, c'est rêvé. Ah ouais, la JD, y a des balles de merde. J'avoue, on va aller vers Adidas et on va voir ça. Donc la famille, on cherche Adidas. Il n'y a pas eu de vidéo ce week-end parce que j'ai eu un gros problème. En fait, je suis parti au match. Je sais pas si vous l'avez vu sur la chaîne Code Familia, mais je me suis pris un coup de coude ici. Vous voyez, mon nez, il est tordu un peu. Et j'ai une fracture, ça veut dire que là, dans mon nez, là, c'est craqué. Et j'ai été, je dois pas faire d'opération, je dois attendre 2 mois pour que ça cicatrise, mais pendant 2 jours je pouvais pas bouger, tu vois. Et niveau foot, j'ai plus le droit de faire de foot pendant 2 mois, mais je vais en faire juste pour la foot familiale, tu vois. Je vais quand même faire des vidéos, même si j'ai pas le droit de faire du sport, mais je vais faire attention. Là, on continue de chercher les magasins. Donc là, en fait, on est venu ici pour acheter du matériel pour la foot familia. Comme vous devez le savoir, on a dû déménager. Et donc, par rapport à ça, on ne pourra plus être dans le stade d'avant. Donc là, on va se retrouver justement pour acheter du matériel, des ballons de foot, etc., etc. On va vous emmener avec nous. Et là, on cherche le magasin Adidas. Donc c'est parti. Bon, la famille, finalement, on n'a pas trouvé Adidas. Du coup, on va à Decathlon. Adidas, on n'a pas trouvé Adidas, espèce d'aveugle, il est là. Ah ouais, merde, il est là, Adidas. Bah, c'est pas grave, on va à Decathlon. Ça, il n'y aura pas de passant de produit. Predator, de Pogba. Ah ouais, tu veux te les procurer? Vas-y, on va aller voir à Decathlon. Ouais, on va aller voir à Decathlon, on se retrouve là-bas. Donc là, on arrive dans les ballons. Ballon, entraînement, match. Donc à ton avis, on va prendre quoi? Je crois qu'il faut que j'en prenne 4. 4? 3 ou 4, ouais. Ils sont grave chers, c'est 25. Il faut des bons ballons. Si t'en prends 4, t'en as pour 100 euros. Moi, je pense qu'il faudrait prendre un putain de bon ballon. Genre lui, il a l'air d'être stylé, lui. Russie à Coupe du Monde. Il vaut combien? Il vaut 35 euros. Où? Là. Non, ça c'est. Ah, c'est ceux-là. Mais si, regarde, c'est ça. 35 euros. Ah ouais, mais il a l'air d'être lourd. Hein. Il a l'air d'être. Il est pas lourd, hein. C'est juste parce qu'il y a marqué Russie Coupe du Monde. Sinon, c'est le même ballon que tous les autres. Ah ouais? Bah oui. Bah, du coup, on va faire quoi? On prend lequel? Toi, tu penses? Il y a marqué ballon entraînement match. Ramdan. Ouais, non, il est gay sur. Bah, il y a quoi? Y a... Ça, c'est 25 euros. Celui-là, il est gay, hein. J'avais déjà testé, j'aime pas. Ah ouais? Ouais, j'aime pas du tout celui-là. Bah, il y a que ça. Hein. Y a les Costas, ouais. Bon, on va voir la famille. En tout cas, on va prendre 4 ballons dans tout ça. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous préférez, Nike, Adidas ou Kipsta. On se retrouve après. Bon, Yacine, il hésite entre les choix des ballons. Donc, du coup, fais montrer comment tu fais quand t'hésites. Il jongle, il essaie de faire des tours du monde. Ça sera pas. Dès qu'il rate un geste, j'y allais pas terrible. C'est un ouf. Ça, là, on va voir si elle est terrible. Ça, on la prend. Mais en fait, ça n'a rien à voir, c'est vu ton niveau en fait. Ah ouais, mon niveau? Non, je pense celle-là, elle est bien. Ouais, on la prend celle-là, c'est bon, on la prend. Donc la famille, on va choisir entre ces ballons, on se retrouve à la maison. Bon, la famille, on est rentré. Finalement, on aura pris des choses vraiment utiles. Donc pour commencer, on avait déjà ces deux ballons-là, je pense que vous étiez au courant, les deux balles Adidas. Ah, c'était vraiment stylé, mais le problème, c'est qu'en fait, quand on faisait nos challenges, etc., etc., on avait seulement deux ballons et c'était vraiment relou, pas pratique pour faire les challenges, genre crossbar, les choses comme ça. Du coup, j'ai été acheter deux autres ballons. Donc, comme vous l'avez vu, dehors, il neige. Donc du coup, j'ai pris un ballon spécial neige. Dans la neige, ouais, et tout à l'heure, il y a la neige qui va se transformer en glace. On attend depuis tout à l'heure, il va se transformer en glace. Mais là, il faut parler. Donc, j'ai pris ce ballon-là spécial neige, donc il est jaune, comme ça, quand il neige, tu peux jouer sous la neige. Et pour finir, j'ai pris un autre ballon. Donc, le ballon Nike, comme celui-ci. Ce qui nous fait en tout 4 ballons pour pouvoir jouer. Et j'ai pris aussi ce sac-là pour mettre les ballons à l'intérieur. Tu fais quoi, Myriam? T'allais casser un miroir, alors vas-y, donne les ballons, ça y est, allez. Donc, on va les ranger. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc, les vidéos au stade, ça va arriver samedi. On se donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo au stade. D'ailleurs, n'hésitez vraiment pas à mettre dans les commentaires le challenge que vous voudriez voir, la vidéo que vous voudriez voir au stade, sachant qu'on aura un nouveau. Il y en a plein qui ont demandé de voir des coups francs. Des coups francs? Mettez plein de pouces, plein de commentaires. Voilà, comme Myriam dit, plein de pouces, plein de commentaires. On vous fera tout ça. Donc, nous, on va vous laisser là, Myriam, je te laisse le mot de la fin.
Abonnez-vous et surtout mettez des commentaires et des pouces bleus.